Bonjour à tous, bienvenue pour ce cours sur la régression logistique, régression logistique multiple forcément, dont on verra les principes, des exemples et l'interprétation. Alors dans l'ordre, il y aura une introduction, puis des rappels sur la régression linéaire, et ensuite on verra des cas pratiques sur la régression logistique, et on en déduira une conduite à tenir, et puis je vous présenterai également des tests qui sont cités dans d'autres cours, mais qui en pratique ne sont pas utilisés. Alors tout d'abord, les méthodes de classification. Il existe des méthodes dites de classification non supervisée ou clustering. L'idée, c'est parmi un ensemble d'individus d'arriver à constituer des groupes différents, des catégories, des sous-groupes d'individus, les plus homogènes possibles au regard des variables disponibles, mais euh, sans penser qu'une variable soit plus importante que les autres. Et donc, au départ, vous avez plusieurs variables X, il n'y a pas de hiérarchie entre elles, et... Euh, le nombre de classes à atteindre est tantôt fourni automatiquement par la méthode, tantôt décidé par l'opérateur, mais on n'a pas une variable d'intérêt en particulier. Donc par exemple, il y a la classification hiérarchique, les cas plus proches voisins, etc. Et puis il y a, et on les utilise beaucoup plus en pratique, des méthodes de classification supervisées ou encore de discrimination qui s'appuient sur une seule variable d'intérêt et qui vont chercher ensuite à séparer les individus au regard de cette variable mais en utilisant uniquement les autres variables x. Donc on parlera de variables à prédire ou à expliquer pour la variable y, et puis de variables explicatives ou prédicteurs pour les variables x. Et parmi ces méthodes-là, on pourra trouver la régression logistique, mais également les analyses discriminantes, les ordres de décision, les réseaux de neurones, etc. Ces méthodes sont très utilisées. Alors, la régression logistique, en fait, c'est une famille de méthodes qui inclut trois grandes méthodes. Premièrement, lorsque la variable à expliquer est binaire, par exemple, est-ce que la personne est morte ou vivante, on utilisera la régression logistique binaire. Il existe également une régression logistique ordinale lorsque la variable prédire correspond à différents stades, par exemple d'un cancer, une régression, donc c'est une variable dite ordinale, et également lorsque la variable expliquée est une variable qualitative, on appelle ça la régression logistique multinomiale. Alors en pratique, dans la très grande majorité des publications de recherche en santé, on utilise la régression logistique binaire, et c'est donc, donc uniquement d'elle que je parlerai aujourd'hui. Il faut savoir que la plupart du temps, lorsque les gens disent régression logistique, en fait, ils veulent dire régression logistique binaire. Un petit rappel ici sur la régression linéaire, elle consiste à, à prédire la variable y ici le poids avec la variable x ici la taille. Chaque individu est représenté par un point et l'idée c'est d'arriver à trouver la droite qui fait le meilleur consensus dans ce nuage de points. Donc par exemple ici ce sont des, des enfants, on a le poids et la taille. On obtient ainsi une droite de régression linéaire simple. Donc, ici, son équation, c'est y égale 0,676x moins 59,8. Et puis, on peut évaluer la qualité globale de l'ajustement avec le coefficient r au carré. Alors, normalement, c'est r majuscule au carré, mais il se trouve que dans ce cas-là, c'est également le carré du coefficient de corrélation entre le poids et la taille. Donc, voilà, 0,6 ici, c'est un ajustement qui est tout à fait correct. Dans cette régression linéaire simple, finalement, le critère qui est utilisé pour optimiser, euh, trouver la meilleure équation de droite, c'est la distance verticale entre chaque point et la droite. Et on fait la somme de ces distances lorsque ces distances sont au préalable élevées au carré. Et la méthode utilisée, la, dite des moindres carrés, revient à réduire au maximum cette somme des écarts carrés à la droite. Mais finalement, on pourrait le voir d'une autre manière. Si x était une variable discrète, si la taille, par exemple, était arrondie tous les 5 cm, comme ici, eh bien, on pourrait également sur chaque groupe d'individus qui font la même taille arrondie calculer la moyenne que j'ai ici représentée en rouge. Et cette droite, c'est également la droite qui relie le mieux possible les moyennes par groupe de x. Alors, en tenant compte bien sûr de, de pondérations liées à l'effectif de chaque groupe. Dans cette régression linéaire simple, on partait d'un tableau donné, classiquement une ligne par individu, et puis une variable sur chaque colonne avec la colonne Y qui est la colonne à prédire, et puis l'ensemble des colonnes X qui seront utilisées dans le modèle. A partir de là, on obtenait une équation, et c'est vrai que cette régression linéaire multiple est très utilisée en médecine, d'abord pour expliquer, expliquer une variable Y à partir de plusieurs variables X. Quantitative, qualitative ou binaire. Et on, on arrivait ainsi à avoir l'effet ajusté de, des variables x sur y, c'est-à-dire l'effet des variables x en tenant compte des autres variables x qu'il y a à côté. Et on pouvait l'utiliser ensuite en prédiction, c'est-à-dire que pour un nouvel individu dont la variable y est inconnue, on peut appliquer simplement cette équation en ingérant toutes les variables x. Et puis à partir de là, on peut calculer une, une nouvelle valeur y qui sera assortie d'un intervalle de confiance. Et donc, dans l'exemple de la régression linéaire multiple, on obtenait une équation, un modèle explicatif. Par exemple, y est égal à B0, donc une constante plus b1 fois x1, un coefficient multiplié par x1, plus b2 fois x2, plus b3 fois x3, plus une erreur qu'on peut noter comme ceci. Et bien le même modèle, d'ailleurs, souvent on l'écrit sans écrire l'erreur, puisque c'est sous-entendu. Et à partir de là, on avait une formule qui permet la prédiction, qui est également d'ailleurs l'équation de la droite, ou ici de l'hyperplan. Y chapeau, la variable prédite, est égale à b0 plus b1 fois x1 plus b2 fois x2, etc. Les x étant ici en minuscules, puisqu'il s'agit des valeurs d'un seul individu. On avait donc une valeur observé parfois y et puis une valeur prédite grâce à l'équation y chapeau. Et l'erreur de prédiction, c'est la différence entre les deux. C'est l'erreur verticale qu'on avait tout à l'heure sur le, le schéma par rapport à la droite, la distance entre le point réel et la droite. Et on appelle ça également le résidu. Et donc euh, l'objectif de la régression linéaire multiple, c'était de diminuer le plus possible la somme des résidus élevés au carré. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque la variable y est une variable binaire c'est-à-dire qu'au lieu de prendre tout un tas de valeurs possibles, on prendra comme valeur 0 ou 1. On va prendre un cas d'étude. Ici, on a 10 000 séjours hospitaliers. Et pour chaque séjour, on peut dire si le séjour est lourd ou non. Alors, ce critère lourd pour l'exercice ici, c'est le fait d'avoir une durée supérieure égale à 4 jours, ou un décès, ou un transfert, ou un passage en réanimation. Et donc, on voit ici, à la louche, qu'on a de l'ordre de 40% de séjours lourds et 60% de séjours non lourds. On va coder ça en 0 pour non et 1 pour vrai. Et on cherchera à modéliser cette, ce critère-là, lourd pas lourd, en fonction d'une variable explicative qui est l'âge, qui elle est une variable quantitative. Vous voyez qu'ici, on a des âges compris entre 0 et 100 ans, avec une distribution un peu quelconque. On peut faire ça avec des méthodes classiques, comme par exemple la fameuse régression linéaire simple de tout à l'heure. Si je représente un nuage de points avec un point par individu, comme on le voit ici, on a l'âge en x et puis le critère lourd oui/non en y. La difficulté qu'on a, c'est que, en fait, j'avais 10 000 individus et sur le graphique on ne voit pas 10 000 points. Eh bien, tout simplement parce que les points sont superposés. Donc, on a ici un petit problème de visualisation. Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est réduire l'âge en l'arrondissant par classe de 5 ans. Donc, par exemple, pour 40, j'aurai les gens qui ont, mettons, entre 40 et 45 ans. Et cette fois-ci, j'ai une bulle qui correspond. à à un groupe d'individus, la taille de cette bulle sera liée au nombre d'individus qu'il y a dans ce groupe. Donc, on voit que, par exemple, pour les individus qui ont autour de 40 ans, il y a pas mal d'individus qui n'ont pas un séjour complexe, et il y a un petit nombre d'individus qui ont un séjour complexe. Et si je réalise maintenant la moyenne de ces valeurs 0 et 1, ça me donne la proportion de séjour complexes qui est ici de l'ordre de 20%, 20%. Lorsque je m'intéresse maintenant aux individus de plus de 80 ans, je vois que j'ai des gens avec des séjours non complexes, j'en ai un peu plus qui ont un séjour complexe et la moyenne des deux me donne ici une proportion de séjours complexes qui est de l'ordre de 60%. Et donc on voit qu'on a une relation où effectivement plus l'âge augmente, plus la proportion de séjours complexes augmente. Mais on voit aussi qu'il y a des classes ici où j'aurai des effectifs globalement très faibles. Par rapport à ces effectifs-là, des gens qui ont autour de 60 ans. Je pourrais modéliser ceci de manière linéaire. Et donc si je lance ma régression, elle fonctionne, c'est vrai, et j'obtiens une droite qui est comme ceci, qui est bien d'allure croissante, mais la question c'est est-ce que cette, cette droite est appropriée, oui ou non. Alors les qualités de cette droite, c'est que bon, c'est simple à faire, on sait déjà le faire. On peut interpréter directement la pente, on peut dire pour chaque âge supplémentaire, la proportion de ces complexes augmente de temps. Pour chaque année supplémentaire. Et puis on a également une symétrie centrale, c'est-à-dire que si je suis capable de prédire la proportion de séjours complexes ici, je peux prédire de la même manière la proportion de séjours non complexes avec la même relation. Par contre, on a des inconvénients. Le premier, c'est que en dessous d'un certain âge, ça vous prédit que la proportion serait inférieure à zéro. Et on sait tous que c'est impossible. Deuxièmement, au-delà d'un certain âge également, ça vous prédit une proportion supérieure à 100%. C'est pas possible. Et enfin cette relation linéaire n'est peut-être pas appropriée, on a l'impression ici euh, qu'il y a quelque chose, un aspect un peu courbe. Pour faire face à cela, euh, on propose une fonction dite de lien qui est la fonction sigmoïde. Cette fonction est représentée ici, x allant de moins 5 à plus 5, et un y qui est toujours compris entre 0 et 1. Cette fonction sigmoïde qui s'écrit 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. Elle peut également s'écrire, je préfère la deuxième écriture parce qu'on la comprend un peu mieux, exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. C'est la même chose. Cette fonction sigmoïde, tout d'abord, elle est définie sur tous les nombres réels. C'est-à-dire que n'importe quel nombre réel en x permet de calculer sigmoïde de, de x. Ça, c'est pas mal. Et dans tous les cas, d'ailleurs, la quantité qui en résulte, y, sera toujours comprise entre 0 et 1. Je fais ici un zoom arrière et vous voyez que même entre, je crois, moins 25 et plus 25, vraiment la fonction est cantonnée entre 0 et 1. Alors, on peut observer également qu'il y a une symétrie centrale par rapport à ce point ici, de x égale 0 et y égale 0,5. Effectivement, on peut rapidement démontrer que la sigmoïde de moins x, c'est 1 moins la sigmoïde de x. Donc c'est vraiment une symétrie centrale par rapport à ce point. Également, on peut définir la fonction réciproque qui est la fonction logit, qui est donc le logarithme népérien de y sur 1-y. Alors, pour l'anecdote, d'ailleurs, le nom de régression logistique, ça ressemble à logit, mais en fait, ça n'a rien à voir au niveau étymologie. Donc, on va plutôt s'intéresser à la fonction sigmoïde. Cette fonction sigmoïde a plusieurs avantages. Tout d'abord, euh, si on veut prédire une probabilité, y en fonction d'une quantité x, ça va bien parce qu'on a un aspect qui est croissant, lisse, progressif. On a une limite lorsque x tend vers moins l'infini qui est égale à 0, une limite lorsque x tend vers plus l'infini qui est égale à 1, ce qui fait qu'on a une valeur de y qui est toujours comprise entre 0 et 1. Ça correspond bien pour une probabilité. Et on a également une symétrie centrale. La sigmoïde de moins x, c'est 1 moins la sigmoïde de x. Ça veut dire que si vous arrivez à prédire un statut, si vous inversez le prédicteur lorsque x devient moins x, eh bien la probabilité aussi devient inversée, y devient 1 moins y. Autrement dit, si par exemple vous montrez que la vieillesse est associée à une maladie, à ce moment-là, avec la même relation, la jeunesse est associée à la non-maladie. Un autre intérêt, c'est sa similitude avec une, une fonction qui est la fonction exponentielle. On va l'illustrer graphiquement après. Mais. Je prends l'exemple ici de toujours de la fonction sigmoïde. Euh, pour la valeur moins 9,2 de x, vous avez ici un individu sur 10 000 qui est atteint. Probabilité de sur 10 000. Si vous ajoutez le nombre 2,303, qui est le logarithme népérien de 10, x devient moins 6,9 et y passe à 1 millième. Lorsque vous ajoutez à nouveau le même nombre, x devient moins 4,6 et y devient 1 centième. Et donc. On a bien l'impression qu'il y a une relation de type exponentielle où chaque fois que x prend un certain, euh, un certain nombre de points, y, la probabilité d'être malade, est multipliée par un nombre. Alors, cette relation n'est pas tout à fait exacte, mais elle est vraie avec les arrondis qu'il y a sur ce tableau. Et en fait, si on avait encore plus de décimales, on verrait que ce n'est pas tout à fait ça. Mais ça marche quand même très bien. Alors, ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous partez de x égale à cette fois-ci 9,2, vous avez un individu sur 10 000 qui n'est pas malade, autrement dit, que tous les autres sont malades. Et puis, si vous retranchez ce logarithme tépérien de 10, vous n'avez plus qu'un individu sur 1000 qui n'est pas malade. Et puis, si vous retranchez encore le même nombre, vous avez un individu sur 100 qui n'est pas malade. Et donc, pour un état, cette fois-ci, qui serait extrêmement fréquent, eh bien, vous retrouvez la relation d'exponentielle, mais y est à peu près égal à 1 moins exponentiel de moins x. On peut regarder ça en termes graphiques. Je vous ai représenté ici la fonction sigmoïde en noir, donc en fonction des valeurs de x, et puis on va voir qu'en fait ça ressemble beaucoup à trois autres fonctions mais sur des intervalles. Donc tout d'abord sur les valeurs faibles de x, donc de moins l'infini à moins 2, et eh bien vous voyez que la sigmoïde elle ressemble beaucoup à la courbe y égale à exponentielle de x, qui est la courbe du risque relatif. De l'autre côté, pour des valeurs de x supérieures à 2, vous voyez que la courbe de sigmoïde ressemble beaucoup à la courbe de y égale 1 moins exponentielle de moins x. Et enfin, entre moins 1 et plus 1, vous voyez qu'on a un aspect linéaire où cette courbe sigmoïde ressemble beaucoup à la droite d'équation 0,25x plus 0,5. En termes d'interprétation, c'est assez sympathique puisque si je reprends ces mêmes fonctions, mais cette fois-ci avec des mots de la vie de tous les jours, on verra que pour chaque unité supplémentaire de x ici pour des valeurs faibles, la probabilité d'être malade est multipliée par un certain nombre, c'est la fonction exponentielle. Pour chaque unité supplémentaire de x sur des valeurs très élevées, la proportion de non malades est divisée par un certain nombre. Et enfin, pour des valeurs très moyennes ici, pour chaque unité supplémentaire de x, la proportion malade est augmentée d'un certain nombre et la proportion de non malades est diminuée d'un certain nombre. On va maintenant réaliser cette régression logistique sur notre cas pratique. Donc on cherche à prédire le fait d'avoir un séjour lourd en fonction de l'âge. On a vu tout à l'heure que la prédiction linéaire, techniquement, elle fonctionnait, mais elle n'était pas adaptée, pas interprétable en tout cas. Donc ici, on lance une régression linéaire pour expliquer l'ogit de Y en fonction de B0 plus B1 plus, fois X1. Alors la méthode d'ajustement qui est utilisée n'est plus la méthode des moins de carrés, mais la méthode du maximum de vraisemblance, peu importe. Et donc on obtient des valeurs estimées comme ça de b0 et b1 nos coefficients, et on peut dire que y chapeau, c'est la sigmoïde de b0 plus b1 fois x1. Et ce y chapeau, en fait, c'est la probabilité que y en vrai vaille 1, en sachant la valeur actuelle de x. Donc, on aura un nombre compris entre 0 et 1, puis on sait que le vrai statut de la personne, c'est soit 0 soit 1, mais euh, la sortie, c'est une probabilité ici. Donc, quand on fait ça, on obtient cette sigmoïde, vous voyez que ça marche bien, elle est toujours comprise entre 0 et 1, et cette courbe ici donne l'impression de bien passer, même si ce n'est pas exact, elle passe assez bien quand même par nos moyennes de y, autrement dit nos proportions de séjour lourds en fonction de x. Alors, les coefficients qui sortent, moi je ne sais pas les lire directement. B1 ça fait 0,0383 et B0 c'est moins 3,01. Si je m'amuse maintenant à prédire le fait d'avoir un séjour non lourd, donc j'inverse le statut de Y, Y devient 1 moins Y. Donc les 0 deviennent 1, les 1 deviennent 0 en fonction de l'âge. Que je relance ma régression, elle fonctionne aussi. J'obtiens une sigmoïde qui semble symétrique et les coefficients qui sortent sont exactement les coefficients opposés de ce qu'on avait tout à l'heure. Donc ça marche. Que se passe-t-il maintenant quand la variable x, le prédicteur, est une variable binaire Eh bien, c'est intéressant. On va ici s'intéresser toujours pareil à notre proportion de séjour lourd, mais cette fois-ci en fonction d'une variable x qui serait le fait d'avoir ou non un âge supérieur à 60 ans. Donc pour les individus de moins de 60 ans, x vaut 0. Et pour les individus de plus de 60 ans, x vaut 1. Donc au lieu d'avoir. Plusieurs bulles comme tout à l'heure, on a ici plus que 4 bulles. Donc les individus qui font moins de 60 ans, séjour léger, moins de 60 ans, séjour lourd, plus de 60 ans, séjour léger, plus de 60 ans, séjour lourd, et on a ici la proportion de séjour lourd parmi les plus de 60 ans, proportion de séjour lourd parmi les moins de 60 ans. Et donc là aussi, quand on invoque une régression logistique, la sigmoïde fonctionne, et on a une sigmoïde qui passe que par deux points avec toujours les limites à 0 et 1 que l'on connaissait. Donc des nouveaux coefficients, B0, B1 ici, et puis l'exponentielle de B1 vaut 2,22. C'est une situation qu'on connaît bien, c'est la situation aussi d'un prédicteur, d'un facteur de risque pour une maladie, et on connaît une quantité qui permet d'évaluer la force de l'association et le sens de l'association, c'est l'os ratio. C'est 7 effectifs multiplié par 7 effectifs divisé par cet effectif multiplié par celui-ci. Il se trouve que, ici, cette ratio vaut 2,22, c'est exactement la même chose que l'exponentielle du coefficient. Alors, là, c'est vrai pour un exemple, mais en fait, ça se démontre, l'exponentielle d'un coefficient pour une variable binaire, c'est l'os ratio de cette variable par rapport à la variable y à prédire. C'est la même chose. Et donc, de manière plus générale, on va s'intéresser aux exponentielles des coefficients et on les appellera toujours des os ratios. Et on pourra dire qu'une variable est un facteur de risque si son os ratio est supérieur à 1 et un facteur protecteur si son os ratio est inférieur à 1. Peut-on évaluer simplement la performance d'une régression logistique Alors, on rappelle que pour chaque individu, on a un statut réel qui est un nombre qui est égal à 0 ou 1. Et puis, on a un statut prédit qui est un nombre réel, lui compris entre 0 et 1, qui est une probabilité. Mais finalement, si on choisissait un seuil, 0,2, 0,3, 0,5, on pourrait dire, bah, lui il est au-dessus du seuil donc finalement ça devient 1, lui il est en dessous du seuil donc ça devient 0. Et c'était une situation qu'on connaît bien, c'est celle de la courbe ROC. Alors je vais faire un, un rappel ici, on en a un peu vite de ce qu'est la courbe ROC. Et puis on verra que cette, cette courbe rock permet surtout de calculer une R sous la courbe. Lorsque la prédiction est excellente, cette R sous la courbe se rapproche de 1. Et lorsque la prédiction est très mauvaise, l'R sous la courbe se rapproche de 0,5. En général, dans la régression logistique, on a au moins une variable continue parmi les variables X. Et donc cette R sous la courbe, elle a généralement beaucoup de points et donc elle a un aspect qui est très lisse. Ce qui, soit dit en passant, améliore un peu artificiellement la valeur de l'R sous la courbe. Alors, je reprends mon exemple. Admettons que sur 5 individus ici, on a un statut réel observé, et puis une réponse de la régression qui sont des nombres compris entre 0 et 1. Donc, la probabilité que cet individu ait le statut 1 ici, en fonction de sa variable x que je n'ai pas représentée. En aveugle, bien sûr, du y réel. Alors, on va pouvoir appliquer plusieurs seuils. Si je prends ici le seuil 0,5, eh tous les individus qui ont des valeurs inférieures à 0,5 ont le statut 0 désormais. Et euh, statut probabilité super à 05 je leur mets le statut 1. Et vous voyez que pour les deux premiers et puis les deux derniers, le statut prédit correspond bien au statut réel. Donc je mets un spas, il est vert. Et ici, un, inversement, on a une erreur de prédiction. Donc je mets un spas, il est rouge. Ce caractère approprié ou non la prédiction peut se calculer par rapport à des sous-ensembles. Donc la sensibilité parmi les individus qui sont 1, vous voyez qu'il y en avait deux, bah, il y en a deux qui sont bien prédits, donc sensibilité 2 sur 2. Et spécificité parmi les individus qui sont à 0 en observé, vous voyez qu'il n'y en a que 2 sur les 3 qui sont bien prédits, donc spécificité de 2 tiers. Je peux passer au seuil suivant. Donc ici au seuil 0,75, euh, au seuil 0.75 cette fois-ci, euh, ces deux là restent avec un, un statut euh, non. Lui passe en non. Et les deux restent avec un statut oui, mais vous voyez que j'ai deux erreurs de prédiction, bon, sensibilité 1,5, spécificité 2 quarts. Et quand je passe encore au seuil au-dessus, cette fois-ci j'aurai quatre réponses non et une réponse oui, avec une sensibilité de 1 sur 1 une spécificité de 3 sur 4. Et donc on peut faire ça en vrai avec tous les seuils disponibles. Et même en l'occurrence, ici, vous avez cinq valeurs différentes, on pourrait avoir six seuils possibles, puisqu'on prend aussi à l'extérieur. Et une fois qu'on a calculé ces couples sensibilité-spécificité pour chaque seuil, on peut mettre un point ici avec en X par tradition, un hein, moins la spécificité et en Y la sensibilité. Et donc, vous pouvez disposer tous ces points et les relier. Vous obtenez une courbe rock, rock comme receiver operating characteristic. C'est historiquement, en fait, cette courbe rock, elle a été utilisée pour des questions de transmission de signal. L'interprétation de la courbe ROC se fait par rapport à son aire sous la courbe qui est ici. On voit qu'on est dans un carré de 1 sur 1. Donc, euh, au maximum, si la courbe était parfaite, avec uniquement des points ici en sensibilité égale 1, spécificité égale 1, hormis les deux extrêmes, on aurait une aire sous la courbe égale à 1. Donc ça, c'est la situation idéale. Et puis si le prédicteur était complètement aléatoire, on peut montrer qu'on aurait une courbe ici proche de la, ce qu'on appelle la diagonale de la chance. Et donc, on aurait une R sous la courbe égale à 0,5. Donc voilà, cette R sous la courbe ici, qu'on appelle aussi AUC Area Under the Curve ou OROC Area Under the Rock Curve, euh, eh bien, elle est comprise généralement entre 0,5 et 1. Alors, elle peut accidentellement être inférieure à 0,5, mais en tout cas, elle n'est jamais supérieure à 1, bien sûr. Et en tout cas, on retiendra que 1 c'est excellent et 05 c'est nul. Donc on essaie d'avoir des choses correctes. Quand on a 07 08, on est très content bien sûr. Et donc finalement, cette courbe ROC maintenant cette aire sous la courbe ROC, ça peut nous renseigner très simplement sur la validité globale du modèle. Lorsque vous obtenez une aire sous la courbe liée à la régression logistique qui est assez élevée, bien, vous êtes content, le modèle explique bien, il prédit bien. Voilà, donc dans notre cas pratique de tout à l'heure, euh, si je trace euh, la courbe rock, ça se fait automatiquement, bien sûr, j'obtiens ceci, et on voit qu'on a une R sous la courbe qui est de 0,645. Donc on, est un, on fait un peu mieux que la diagonale de la chance, mais on est quand même assez loin du point parfait, et euh, une méthode permet de calculer l'intervalle de confiance, donc c'est un peu compliqué, donc on ne le fait pas ici, il est compris en 0,63 et 0,65. Il faut bien comprendre que ça, ça s'interprète sur un intervalle de 0,5 à 1, pas de 0 à 1. Donc bon, 0,64 c'est pas top non plus. Maintenant on va s'amuser à prédire une autre variable qui est le sexe féminin en fonction de l'âge. Donc on a toujours ici les valeurs de l'âge mais cette fois-ci la proportion de femmes. Donc on voit qu'elle est très élevée sur les âges jeunes. Ça correspond en fait aux accouchements probablement. Et puis elle diminue, puis elle remonte, et vous savez que, quoi qu'en disent les cardiologues, en fait les hommes, bien sûr, ils meurent bien avant les femmes. Donc c'est évident, on aura beaucoup plus de femmes chez les patients âgés, ce qui peut amener certains à croire que ces femmes développent plus de maladies, mais bien sûr c'est faux, c'est juste qu'elles sont plus âgées, parce qu'elles ne sont pas mortes d'autres maladies avant. Alors, est-ce qu'avec une relation comme ceci, on peut espérer faire une régression logistique Eh bien en fait non, on n'a pas du tout l'aspect croissant ou décroissant qu'on aimerait. Alors, ce qu'on va voir, c'est que si on fait une régression logistique, techniquement ça fonctionne. J'arrive bien à tracer une sigmoïde qui en l'occurrence a un aspect plat, et euh, vous voyez que ça me sort des coefficients, il n'y a pas de message d'erreur. Ça marche bien, oui, mais quand vous regardez ici l'exponentielle de ce coefficient, l'exponentielle de ce coefficient est très proche de 1, puisque le coefficient lui-même est très proche de 0. Et l'air sous la courbe qu'on obtiendrait serait mauvaise, 0,54. Et d'ailleurs, la courbe rock, vous voyez que ici, accidentellement, elle passe même en dessous de la diagonale de la chance, et puis là, elle est au-dessus. Ça serpente autour de la diagonale de la chance, donc c'est un très mauvais exemple. Alors, pourquoi il est mauvais bah, Tout simplement parce que la relation de départ n'est pas celle d'une sigmoïde. On dira dans ce cas-là qu'il n'y a pas de relation linéaire entre x et le logit de y, et donc il n'y a pas de logit linéarité. L'intérêt des régressions logistiques, c'est de pouvoir faire des analyses multivariées. Donc on, on va rester sur un exemple typique, un peu plus typique que le précédent, qui sera celui d'un événement rare, qui ici représente 1,82% de l'échantillon, et cet événement rare, c'est le décès. C'est généralement plutôt dans ce type d'exemple-là qu'on utilise la régression logistique. Moi, j'ai pris un exemple plus fréquent, parce que je voulais vous montrer l'aspect sigmoïde, mais en pratique, généralement, ce sont des événements rares. Et donc on va chercher à expliquer le décès de différentes manières, tout d'abord en fonction de l'âge, qui est une variable quantitative continue, comme tout à l'heure, puis en fonction du sexe masculin, qui est une variable binaire, puis en fonction de la discipline dans laquelle le patient est hospitalisé, qui est une variable qualitative, et on verra, et c'est là que ça devient intéressant, qu'on peut le faire avec les trois variables simultanément. Donc on utilise traditionnellement le tilde ici pour indiquer décès en fonction de âge, décès en fonction de, etc. Et le plus ici n'est pas du tout une addition arithmétique, hein, mais ça symbolise le décès en fonction de l'âge et du sexe et de la discipline. C'est une écriture qui n'est pas bien sûr une, une équation arithmétique. Alors tout d'abord le décès en fonction de l'âge. Donc vous observez que euh, dans tous les cas il y a très peu d'individus qui décèdent et donc la proportion de décès est faible, mais elle augmente ici très fortement avec l'âge. C'est pas une surprise, les vieux meurent plus que les autres. Et donc, voici l'ajustement qu'on obtient euh, avec euh, des coefficients. Un coefficient B1 relatif au, à l'âge, 0,0620. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Un coefficient B0 qui est la constante du modèle. Et quand on regarde l'exponentielle de B1, on obtient un chiffre qui est 1,06. Donc, c'est l'autre ratio de l'âge pour expliquer le décès avec son intérêt de confiance. On obtient également une R sous la courbe qui est de 78,2%. Vous voyez ici que cette courbe rock est une courbe assez satisfaisante qui se détache bien de la diagonale. Ce qu'on peut voir, c'est que l'AUC est élevé, donc ça veut dire que euh, la réaction logistique de l'âge prédit bien le décès. On a un os ratio lié à l'âge qui est de 1,06. Et comme on est sur la partie gauche de la sigmoïde ici, vraiment, euh, on peut dire que pour chaque année supplémentaire du patient, le risque de décéder est multiplié par 1,06. On est très proche ici. De la fonction y exponentielle de x, donc du risque relatif. On voit ici que l'os ratio de l'âge, euh, son intervalle de confiance à 95%, ne contient pas la valeur 1, et donc on peut dire que cet os ratio est significativement différent de 1. Et donc l'âge est un facteur de risque de décès. Il ne sert à rien de commenter la constante du modèle, ni même son exponentielle, bien sûr, ni même euh, le coefficient lui-même sans l'avoir élevé avec une exponentielle. En fait, ce nombre-là, ça ne nous dit pas grand-chose, on regardera plutôt son exponentiel. Et donc, à partir de maintenant, on regardera uniquement l'exponentiel du coefficient. On peut changer d'unité maintenant. Qu'est-ce que ça devient lorsqu'au lieu d'avoir l'âge en unité, je prends l'âge en dizaines Donc, je divise simplement tous les âges par 10. Eh bien, on a une exponentielle du coefficient qui est égale cette fois-ci à 1,86, donc c'est plus élevé, avec un intervalle de confiance qui toujours ne contient pas 1, une R sur la courbe qui est exactement la même. On voit donc que pour chaque décennie supplémentaire, le risque de décéder est multiplié par 1,86. Donc c'est un changement d'unité. Euh, la significativité est la même, l'air sous la courbe est la même. Alors j'aurais pas pu le faire directement avec une exponentielle parce que ce n'est pas tout à fait un risque relatif, c'est un autre ratio, mais il suffit de, le, de relancer la régression en ayant modifié la variable x. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsqu'on veut prédire le décès en fonction euh, d'une variable binaire comme ici le fait d'être un homme euh, Alors désormais je ne montrerai plus que les exponentielles des coefficients et leurs intervalles de confiance. Donc on a ici l'intercept, donc la constante, on s'en fout, on ne regarde même pas. Et le statut homme égale vrai, donc le sexe masculin par rapport au sexe féminin ici, multiplie par 1,47 le risque de décéder comme vous le voyez ici. Avec une aire sous la courbe qui est pas top. Mais quand vous regardez son intervalle de confiance, en fait, cette, cette aire sous la courbe, on voit qu'elle n'est pas significativement différente de 0,5. Voilà, donc c'est une prédiction qui est de mauvaise qualité, hein, puisque vous voyez ici, l'air sous la courbe n'est pas significativement différente de 50%. Euh, c'est l'os ratio du sexe masculin par rapport au sexe féminin. Donc le sexe masculin multiplie par 1,47 le risque de décès. Autrement dit, le sexe féminin fait l'inverse, hein, ça divise par 1,47. Et euh, ce, cette multiplication est quand même significativement différente de 1. Donc le sexe masculin est un facteur de risque de décès. On peut s'intéresser maintenant à une variable qualitative explicative. Ici, la discipline. Quel est le risque de décéder en fonction de la discipline Voici les exponentiels des coefficients obtenus. L'intercept, qu'on ne regarde même pas. La discipline cancer, ici, multiplie par 2,97 le risque. Avec son intervalle de confiance. Alors, on la retrouve ici sur le graphique. Vous voyez ce graphique des os ratios avec 1 en pointillé, c'est la valeur neutre. À gauche, vous aurez les facteurs protecteurs. Ici, c'est la discipline digestive d'ailleurs, qui divise par deux le risque. Et puis à droite, vous aurez les facteurs de risque avec une échelle quand même qui n'est pas symétrique, hein, puisque ici, on varie entre 0 et 1, ici, entre 1 et plus l'infini. Et vous voyez donc que la discipline cancer est associée à un os ratio de l'ordre de 3. Et puis vous avez une discipline non significative comme ici les traumatismes ou euh, l'obstétrique, puisque ces coefficients sont associés à un intervalle de confiance ici qui contient la valeur 1. Donc ils sont à cheval sur 1, ils ne sont pas significatifs. L'air sous la courbe ici 64%, est 64%, c'est pas top, mais au moins c'est supérieur à 0,5. Donc on a l'impression ici que euh, la cancérologie est un facteur de risque, que le digestif et la psychiatrie sont des facteurs protecteurs, et que les autres ne sont pas significatifs. Il faut quand même bien comprendre que je vois ici 5 autres ratios en dehors de l'intercept. Eh bien, j'avais 6 disciplines au départ. Il y en a une d'entre elles qui a été choisie comme référence. Ici, c'est la discipline qui s'appelait divers. Et donc, elle sera associée par convention à un ratio égal à 1, puisque c'est elle la référence. Et donc, les, les facteurs ici protecteurs ou de risque sont par rapport à la discipline divers c'est important d'ailleurs quand on, quand on fait ça de pouvoir choisir cette discipline d'hiver. Dans R, si vous ne la choisissez pas, cette discipline de référence, cette valeur de référence, euh, c'est la première par ordre alphabétique. Et puis si vous l'imposez, il vaut mieux imposer une modalité qui soit fréquente et, si possible, qui corresponde à un espèce de niveau de base ou un fourre-tout ou quelque chose comme ça, pour que les autres deviennent interprétables par rapport à elle. Ce qui devient intéressant, c'est lorsqu'on prédit le décès avec simultanément la discipline plus le sexe masculin plus l'âge. Puisque là, on voit apparaître des os ratios. Alors, pour l'âge, un seul os ratio, très bien. 1,86, on voit que euh, l'âge est multiplié par 1,86 pour chaque décennie supplémentaire. Pardon, le risque est multiplié par 1,86. Pour l'homme, ici, 1,46, qui reste significatif aussi. Vous l'avez d'ailleurs ici en haut du graphique. Et donc on voit que les hommes ont 1,46 fois plus de chances de mourir que les femmes à âge égal. Et la discipline, c'est une seule variable, oui, mais ce sont différentes modalités. Donc on avait six modalités. On aura ici cinq os ratios, puisque la catégorie divers a servi de référence. Et on voit cette fois-ci qu'il y a des disciplines qui deviennent non significatives, puisque la seule qui se détache des autres, qui se détache de 1, c'est le cancer ici, mais les autres catégories, comme digestif par exemple, et psychiatrie, sont redevenues non significatives. Cette approche multivariée, ça permet de déceler des facteurs de confusion. Si en fait euh, les gens ici en, en psychiatrie avaient moins de chances de mourir que les autres, c'est tout simplement parce qu'ils sont plus jeunes, en fait, on le sait, que dans d'autres disciplines. Par contre, quand on tient compte de l'âge et du sexe, et bien à ce moment-là, le cancer reste quand même, et ce n'est pas surprenant bien sûr, un facteur de risque de mourir. Ce modèle-là, il a quand même beaucoup d'autres ratios qui ne sont pas significativement différents de 1, donc qui ne sont pas intéressants. Ce qui serait sympathique maintenant, c'est de reprendre ceci en simplifiant, par exemple en n'ayant que cancer versus tous les autres. Et c'est ce qu'on fait ici. Et vous voyez qu'à ce moment-là, le cancer est bien associé à notre ratio de 3 par rapport à toutes les autres disciplines. Euh, le sexe masculin, notre ratio de 1,5. Et l'âge en décennie, notre ratio de 1,9. Vous voyez au passage que les coefficients ont changé. Donc on ne peut pas simplement supprimer les modalités. Il faut relancer le modèle pour recalculer les coefficients. L'air sous la courbe ici est de 80%. C'est quand même pas mal du tout. Donc on arrive à bien prédire le risque de décès. Le modèle est plus simple. Généralisons maintenant sur l'interprétation d'une régression logistique. Tout d'abord, il faut regarder chaque variable et son os-ratio. On ignore l'intercept, on ignore les valeurs brutes des coefficients et on regarde pour chaque variable l'os-ratio, qui est l'exponentielle de son coefficient et son intervalle de confiance à 95%. Cet os-ratio se lit différemment selon le type de variable. Pour les variables binaires, c'est l'effet du oui par rapport au non, l'effet du 1 par rapport au 0. Pour les variables qualitatives, si vous aviez k modalités, à ce moment-là, il y aura k-1 moins variables binaires, et leurs os ratios sont exprimés par rapport à la modalité de référence. Et donc, c'est à, à vous, généralement, de forcer cette modalité de référence pour que l'ensemble soit bien interprétable, et euh, elle a toujours un os ratio égal à 1. Pour les variables qualitatives ordonnées, il ben, n'y a pas de différence. Euh, la régression logistique n'est pas capable de savoir qu'une variable est ordonnée ou pas. Donc ça traite ces variables comme des variables qualitatives non ordonnées. Et pour les variables quantitatives, euh, cet autre ratio, c'est l'effet du gain d'un point de x par rapport à l'absence de ce point. Et donc, il y a quand même une hypothèse très forte qu'on appelle l'hypothèse de logit-linéarité qu'il faut vérifier. Et si vous n'êtes pas capable de vérifier cette hypothèse, le plus simple, c'est de discrétiser votre variable pour avoir une variable qualitative ou binaire. Et là, ça marche toujours. Lorsqu'on a regardé chaque variable et son coefficient, il y a un test statistique qui permet de savoir si son os ratio est significativement différent de 1, c'est le test de Valde. Alors en pratique, il n'est pas tellement fait. On regarde directement l'intervalle de confiance de l'os ratio. Et si ce, cet intervalle de confiance à 95% ne contient pas 1, et bien à ce moment-là, l'os ratio est significativement différent de 1. On regarde également la performance globale de la régression logistique et pour cela. En fait, en pratique, on regarde simplement l'air sous la courbe, et éventuellement son intervalle de confiance à 95%. Donc il faut que cet aire soit élevé, mettons 0,7, 0,8. La régression logistique en pratique se conduit de façon itérative. Tout d'abord, on commence par une préparation du tableau de données. On va choisir les variables x a priori, par exemple d'après la bibliographie ou d'après les analyses bivariées qu'on a faites, ou a posteriori, puisqu'on verra que. Une fois qu'on a fait une, notre régression, on peut modifier les variables X que l'on inclut. Lorsque certaines de ces variables X sont quantitatives, on peut par principe, pour le premier G, les discrétiser par exemple en quartiles ou avec des seuils simples, comme par exemple l'âge à, à 50 ans, supérieur à 70 ans, etc. Ou vérifier en tout cas que la relation est logique linéaire avec une courbe quelconque. Lorsqu'une variable X est qualitative, c'est quand même pas mal de forcer la modalité de référence pour prendre la modalité la plus fréquente ou la plus neutre ou la plus de façon à ce que les autres soient faciles à interpréter par rapport à elle. Ensuite, on exécute automatiquement et on obtient des résultats. Ces résultats s'interprètent principalement au regard des os-ratios et l'intervalle de confiance à 95 Un facteur non significatif est à cheval sur 1, un. un facteur de risque est supérieur à 1 mais l'intervalle ne contient pas 1, et un facteur protecteur a un os-ratio inférieur à 1 mais l'intervalle ne contient pas 1. Et on regarde Globalement, si ça marche avec l'air sous la courbe, euh, qui est mauvaise autour de 0,5 ou 0,6, et qui est parfaite à 1, donc elle est bonne à 0,7, 0,8. C'est itératif, en fait, c'est d'après les résultats qu'on sait si ça a marché ou pas. Et donc, si on n'est pas content, on revient à la phase de préparation, on remodifie les variables et on refait, on refait tourner la régression. Et il est fréquent, quand on fait un travail, de, de lancer une régression 5 ou 10 fois en fonction des petits ajustements, jusqu'à ce qu'on ait un résultat convenable. Je vais maintenant vous présenter des tests qui sont décrits dans les cours de mathématiques, mais qui en pratique ne sont pas utilisés, et je vous dirai pourquoi. Le premier, c'est le test du rapport de ressemblance. Et sa question, c'est est-ce que globalement, le modèle prédit mieux le statut réel que le hasard Donc ça nous ramène à la qualité globale du modèle. Bon, donc hypothèse nulle, il n'y aurait pas de relation entre Y et l'ensemble des x en combinaison linéaire. Si on arrive à rejeter l'hypothèse nulle, c'est que la régression est contributive, elle peut être interprétée. Et si on ne rejette pas l'hypothèse nulle, donc p supérieur à 5%, à ce moment-là, euh, la régression ne devrait pas être interprétée parce que euh, elle n'est pas contributive. La critique de ce test il n'y a aucun problème théorique. Hein. Ce test est bien sûr hautement valide. Mais en fait, en pratique, les gens ne l'utilisent pas parce qu'ils regardent directement les exponentielles des coefficients, donc les os ratios, en fait. Euh, sauf l'intercept et il regarde directement s'il y en a au moins un qui a euh, un os ratio significativement différent de 1. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, l'air sous la courbe, d'une certaine manière, elle répond moins bien, mais elle le fait quand même, elle répond aussi un peu à cette question-là, euh, à travers son intervalle de confiance, est-ce qu'il contient ou pas 0,5. Donc en pratique, ce n'est pas vraiment euh, utilisé. Un autre test qui est recommandé, mais qui en pratique n'est pas réalisé, c'est le test de Osmer lemschow alors, ce test, il s'interprète pas du tout à la qualité de la prédiction, mais simplement à la calibration, c'est-à-dire pour chaque valeur de x, est-ce que la proportion de y prédite est correcte, la proportion de, de statut 1 par rapport au statut 0, la proportion. La question n'est même pas de savoir si c'est vrai pour cet individu ou pas cet individu, mais vraiment, est-ce que pour, dans ce groupe d'individus, la proportion est bonne. Donc pour ça, on sépare l'échantillon par déciles de Y chapeau, donc Y prédit. Donc on a 10 groupes qui sont d'effectifs à peu près équilibrés. Et finalement, pour chacune de ces strates, on a à la fois un statut Y observé, puis un statut Y prédit. Bon, et donc on a 20 effectifs qui ont été observés, 20 effectifs prédits, et on compare cela avec un test du QI2. Alors le problème, c'est que on fait le test à l'envers. C'est-à-dire qu'on aimerait bien, pour que le test soit calibré, ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Ça veut dire qu'on fait un test en espérant ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Ça, ça pose un vrai problème. On fait le test à l'envers. C'est un raisonnement qui théoriquement est invalide. D'ailleurs, on le fait avec une, un seuil de p-valeur à 20% où on dira ben, si la p-valeur est supérieure à 20%, pourquoi 20% voilà. on, on est content parce qu'on n'a vraiment pas rejeté l'hypothèse nulle, et puis sinon on n'est pas content. Donc voilà, ça fait partie de ces tests qu'on fait à l'envers, ça pose un vrai problème. C'est comme le test de fisher sneedekorde d'égalité des variance, les tests qui comparent les distributions entre elles, Kolmogorov, Smirnov et tout ça. C'est un vrai problème, parce qu'en fait, quand l'effectif est faible, on ne rejette jamais l'hypothèse nulle, mais en enfin, fait, ça ne veut rien dire. Quand l'effectif est très élevé, on finit toujours par rejeter l'hypothèse nulle, alors qu'en vrai, il n'y a pas de différence, enfin, ça pose problème. Et surtout, au fond, ça ne sert à rien. Parce que. De toute façon, si la régression logistique est très bonne, bah forcément elle est bien calibrée. Et puis si elle est mauvaise, le fait de savoir qu'elle est bien calibrée, ça ne nous console pas. De toute façon, elle est mauvaise, c'est tout. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on a prédit bien par individu ou pas Et c'est l'air sous la courbe qui répond déjà à cette question. Donc en pratique, ce test, on peut l'oublier. Autre chose qui est faite en pratique, c'est la matrice de confusion ou tableau de contingence. Ça évalue l'aptitude à bien classer les individus et alors... Bizarrement, on choisit le seuil 0,5 et donc on a un tableau à quatre cases. Les individus pour lesquels on a prédit oui, ils ont oui, on a prédit non, ils avaient oui, on a, etc. Quatre cases. Et puis voilà, on regarde ce tableau et on le commente. Pourquoi le seuil 0,5 Ce n'est pas toujours pertinent. Vous avez euh, sur des, des choses très rares, euh, comme le décès tout à l'heure, ce seuil 0,5 qui n'est jamais atteint de toute façon, donc ça ne sert à rien. Et puis, euh, de toute façon, l'air sous la courbe, elle fait mieux parce qu'elle, elle va tester non pas un seul seuil qui est de 0,5, mais... Tous les seuils possibles dans les valeurs observables. L'air sous la courbe, elle répond déjà beaucoup mieux à cette question de la performance. D'autre part, l'air sous la courbe, contrairement à cette matrice de confusion, elle tient compte aussi de l'aléa. C'est-à-dire qu'elle est assortie d'un intervalle de confiance, alors que votre matrice de confusion, sur 10 individus ou sur 1000 individus, elle a la même allure. Donc en pratique, on ne l'utilise pas. Voilà, donc en conclusion sur ce cours sur la régression logistique, c'est une procédure statistique qui est très utilisée en recherche en santé il faut faire attention toutefois parce qu'il y a quand même plusieurs précautions à prendre tout d'abord il y a une hypothèse d'additivité des effets comme dans toute la régression qui en vrai n'est pas pertinente même on peut dire qu'elle est quasiment jamais pertinente et il y a en vrai des effets conditionnels des variables les unes sur les autres et ce sont les interactions qui peuvent prendre en compte plus ou moins bien ces effets Deuxièmement, pour les variables quantitatives, il faut toujours vérifier la logit linéarité de la relation. Mais si vous ne savez pas, le mieux c'est de les discrétiser en quartiles, tout simplement, ça suffira largement. Et troisième point auquel il faut faire attention, c'est que lorsque vous vous intéressez non pas à un statut binaire, mais à un vrai événement temps dépendant, ces régressions la plupart du temps ne sont pas adaptées. Tout à l'heure, j'ai mis mort, oui, non. En fait, au bout d'un certain temps, tout le monde finit par mourir. Donc la question, c'est mort précocement ou pas, en fait. Donc on n'est pas simplement sur un statut binaire, mais sur un événement temps dépendant. Alors, en chirurgie, par exemple, très souvent, on s'intéresse au taux cumulé d'événements dans les six mois qui suivent une chirurgie. Ils choisissent ce délai de six mois pour avoir vraiment une, une imputabilité assez forte. Et donc, on est sur un délai court, honnêtement c'est tout à fait correct de faire une régression logistique. Mais dès que vous êtes sur un événement qui se produit sur un horizon de temps beaucoup plus long, et surtout si tout le monde n'est pas suivi pendant la même durée, vous ne devez pas faire une régression logistique, mais plutôt utiliser des analyses de survie. Il en est de même également euh, si vous avez des événements qui sont répétés dans le temps. Voilà, je vous remercie de votre attention.